la cordée en arrière, il reprend, il change de ton. Moi je fais pa pa la et la cordée reprend ta pa la 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 li la la la. Léon et Roger, quoi. Et ça, oui. C'est une corne de... Oui, de vache, ou de taureau, ça aussi d'ailleurs. Et ça? Ça c'est du je ne sais pas quoi. C'est du plastique ou du... Autrefois c'était du bambou. Et tu l'appelles comment cet instrument? Alboka. 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 Allez, alors je vous joue flûte. Parce que quand tu joues, tu joues flûte. Tu joues flûte. Attends, il ne faut pas que j'ai de merde dans la bouche. Parce que ça se bouge autour. Allez. Alors Jean-Pierre, dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? J'accorde les tuyaux. Les tuyaux? Les tuyaux. C'est quoi? Explique-nous un peu ce que c'est. Les tuyaux. Ça se règle comme un tuyau d'orgue. C'est-à-dire, il faut que les deux tuyaux aient la même note. Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas tout à fait juste, mais ça vient. Comment? Moi, je trouve que c'est bien. Et ouais, il se bloque. Bon, je vais mettre les neufs, voir ce que ça donne. Les neufs, c'est du plastique. Et ça, c'est des petits morceaux de bois? Ça, c'est du bambou, du roseau. Voilà. Qui se réglait comme un tuyau d'orgue. Alors, je vais voir avec la technique moderne sur un instrument ancien, ce que ça peut donner. T'as pas essayé? Tu prends du poil, des fois. J'ai vu que t'avais pris le poil de mes cheveux. Pour ouvrir le... Voyons. Pour ouvrir le... L'anche battante, pour parler technique. Oh, ça va marcher. Alors celui-là, il est... Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. J'ai jamais joué, fait le ça. Le café va être glacé. J'ai jamais vous fait voulez ça, boire froid, peut-être? J'en prends, oui. C'est-à-dire que les anches sont neuves et l'instrument est très vieux. Je vais dire, maman, je... Ouf, et d'ailleurs, il est même trop court, toi. Mais bon, j'ai du mal à... La taille de l'embout n'est pas assez grande. L'instrument n'a pas la même taille, c'est pour ça. La mélodie est plus... C'est fait de quoi, ça? C'est fait de briques, de briques et de broc. Non, mais franchement... Oui, c'est un instrument très très vieux. Ça, c'est l'origine... Les nouveaux, ils sont un peu plus modernes. Mais oui, en général, les nouveaux sont modernes. Hein. Oui, non, mais c'est d'abord la corne plus longue. Ouais, il n'a pas... Je ne pense pas qu'il ait la même taille, non, pas non, très loin. Il est plus long. Ouais. Voilà.
Il a cette corne plus longue. Ça, c'est le pavillon. Ça, c'est pas grand-chose. Ça sert à porter le son. Mais... La résonance. Hein. Oui. Mais c'est du bois, du roseau, de la cire d'abeille, de la ficelle et deux clous pour tenir ça. La corne ici s'enlève. Voilà. C'est... Sans la corne, il n'y a pas de son. Si, mais le son est différent. Yeah. Oh. Oui, mais le truc le porte. Ah, c'est un instrument rudimentaire au possible, mais ça en a difficilement fait plus rudimentaire. Et c'est purement basque, ça? Ça, c'est biscayen. Et celui-ci a été fait par Léon Bilbao, celui-là, avec deux petits cœurs ici, à la main au couteau, parce que c'est fait au couteau, ça. Qui habitait à côté de Bilbao, à Castillo y El Javeitilla, où je l'ai acheté il y a... en 1965. Ça date combien d'années, c'est un instrument? Ah, celui-là, l'instrument lui-même? Oui. Avant l'existence de l'accordéon. Avant que l'accordéon triquitichan existe, on jouait de ça. C'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça, finalement. Oui, oui, c'est très vieux. C'est hors d'âge. Ça, c'est du plastique, ça ne bouge pas. L'autre, le bois, c'est injouable. Mais il y a des gens qui en ont joué, quand même. Ouais. Voilà. Un peu sous le teint, tiens. Parce que je viens de là, quand même. Bortier Anahuski. La jouer en totalité parce qu'il me manque une note en bas et une note en haut. Je n'en ai que 6. La, si, do, ré, mi, fa dièse. Alors il y a 2-3 en bas pour les doigts que je n'ai pas. Parce que je n'ai pas assez. Pourquoi ailleurs ils ont d'autres doigts? Mais je ne sais pourquoi pas. Tu ne les descends pas? Parce que si je descends, ça souffle, je joue plus. Et tu vois que tu joues. Mais non, oui, mais. Le souffle, c'est du. C'est de bas en haut. T'as les petits doigts qui manquaient. Oui, mais ça fait une note de plus, c'est tout. Mais... Et alors c'est une hanche double comme la guitare. C'est quoi comme instrument ça finalement? Ah je ne sais pas. Ça vient d'où? Je ne sais pas son nom, d'Afghanistan. Alors je ne sais pas comment il s'appelle. On pourrait l'en offrir en bouche? Non, il serait très embêté avec. C'est particulier ça aussi, hein? Il serait très ennuyé avec un bazar pareil. Parce que... Et moi aussi d'ailleurs. Ah, mais c'est ça. Il est beau. Comment t'appelles ça? Un ocarina. Il vient de je ne sais pas où. Itaparica. Itaparica. Mexique? Oui, je ne sais pas. C'est Achille qui a dû me ramener ça. Mais si s'entraîner, il y arriverait. Oui. Elle est descendue. C'est en terre. Oui,
ça c'est de la terre. Hein. Avec un peu d'entraînement, j'y arrive. Oui. Mais bien sûr. Et du piment d'Espelette, alors? T'as qu'une note, là. Tu peux faire qu'une note. Fais, ça fait le train électrique, le train à vapeur, ça. Il ne reste plus qu'à faire les trous. C'est un porte-couteau. À la table, toujours, à la truc, tu poses les affaires. Oui. Attends, je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'il va... Henri, que j'ai toujours son tablier. Oui, mais va regarder, parce qu'il va toujours venir. Un peu fatigué, mais je l'ai toujours. Alors, il achète ça parce que c'est un tuyau. C'est quoi ça, tu m'as dit, hein? Une quena. Quena. Alors, c'était les Indiens qui vendaient ça à la foire. Hein. La dernière fois, de l'exposition qui a eu lieu à Bayonne. Et alors, il s'est dit, avec ça, Jean-Pierre, il va pas pouvoir jouer. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Or... Il n'y a rien, c'est vide quoi dedans quoi. Eh oui. Je suis pas à la bonne tonalité là. C'est bon. Non. Rock maintenant. Il fait un canard, on commence. On a mangé un peu de canard. Hein. Et la mobilette. Là, je l'ai réussi. Tout ça pour dire que Chichon, il s'était trompé, il n'a pas réussi à me faire taire. Il est mort, paix à son âme. Ils ont quand même fait la dégueulasse de dire ça. Que l'Afghan. D'accord. Ouais, à part que l'Afghan, il est dedans. Elle est grosse. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on joue plus. 0,9 mm de chaque côté. Okay. Parce que le basque vient de l'Afghan. Non, pas du tout. Fait ça parce que j'avais un copain qui jouait au tambour et moi, il souriait toujours aux filles. Lui, il jouait au tambour, il faisait des grands sourires et moi, je pouvais pas. Alors j'ai appris à jouer avec le nez. C'est vrai. Bien, monsieur. Merci, monsieur Arène. Allez.